nos amours du jour. Et tout d'abord, Delphine et Jérôme, ils viennent de Nandrin. C'est la Belgique, bienvenue les Belges. Rachel et David, Noyers-Pont-Maugy, Champagne-Ardenne. Et puis Fabienne et Daniel, 40 ans de bonheur à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est séducteur à 16h, généralement entre 11h20 et midi, le ponctuel Bruno Guillon. Bonjour ! Bonjour, bienvenue sur France 2. Merci de nous rejoindre comme chaque matin, fidèle aux amours, et bienvenue à Fabienne et Daniel. Bonjour Bruno. Ça va bien ? Ça va très bien. Très bien. Est-ce que c'est vrai qu'au départ de votre histoire, donc Pascal nous disait, ça fait une quarantaine d'années que vous êtes ensemble ? Oui. Oui. Est-ce que au départ, avant que vous sortiez avec Daniel, vous sortiez avec son frère ? Pas du non. tout. Non. Alors c'était quoi l'inverse. L'histoire ? C'est l'inverse. C'est moi qui sortais avec sa sœur. D'accord. Et ça se passe bien avec, avec votre sœur aujourd'hui ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça reste en famille. Ça reste en famille. Très bien. Bon, on a un arbre généalogique, c'est qu'une branche, mais. Mais belle branche. Merci d'être là en tout cas. Rachel et David. Alors, David, il paraît que vous avez une particularité. Il paraît que vous avez, au niveau des dates, vous êtes incalable. Ouais. Vous concernant. Par exemple, si je dis la date de votre premier bisou. 24 septembre 2004. À quelle heure ? 15, un vendredi. Non mais ça fait peur. Ouais, ça fait peur. C'est vrai ou pas ? Ouais. Le premier câlin, vous l'avez ou pas ? Le premier câlin, non, je ne l'ai pas. Ça ah, alors moi je l'ai par contre. Ah. Bienvenue à tous les deux en tout cas. Et puis, la Belgique ! Vous vous êtes rencontrés à l'école, c'est ça ? Oui. À l'école, et puis ça matchait pas tout de suite. C'est ça. Voilà. Et il a fallu un petit peu... Si vous êtes sortis un petit peu ensemble, il y a eu un break. C'est ça. Et puis après, c'était la bonne. Bon, on va en parler de tout ça, parce que je suis au courant de tous les dossiers, les amis. C'est bien. Et vous allez le voir maintenant, voici la première manche. Delphine, institutrice, c'est oui. ça ? Oui. Ce qui vous fait un point commun avec Fabienne, non ? Vous êtes institutrice aussi ? Non, du pas tout. Du tout. Instructrice. Instructrice. Ah, parce que moi j'ai lu institutrice. Voilà. Ça y est, je crois qu'il va falloir que je prenne des lunettes, Pascal. Ou un labrador, il va me falloir quelque chose. Je le savais à un moment que ça arriverait. Instructrice. Oui. Dans quoi ? En urbanisme. D'accord. Et vous, Rachel, votre métier ? Responsable magasin. Responsable magasin. Très bien. On y va avec la première question ? Oui. Ça, rassurez-vous, ça va très bien, mes yeux. À propos de quoi vous chamaillez-vous très souvent avec votre chérie ? Ça a été très facile pour moi. Ce sont les sorties. Ces sorties à lui, pas les miennes, parce qu'il y en a très peu. Il adore sortir avec ses amis, ce que je cautionne tout à fait. Seulement, j'aimerais qu'il fasse un petit peu la part des choses, qu'il profite un peu avec ses amis et puis revenir un petit peu près de moi. D'accord. Il a beaucoup de mal. Une fois qu'il est parti avec ses amis, il a du mal à revenir. Ah, c'est donc, le problème. Voilà, alors quand il rentre, évidemment, moi je dors. Et le lendemain, quand moi je me lève, lui il dort. Ah oui. Du coup, les week-ends, c'est un peu compliqué, on ne se voit pas des masses. Et... Ah pourquoi ? Parce que c'est quasiment tous les week-ends ? Le sport aidant, hein, il va au foot. Donc voilà. Ah, la troisième mi-temps. C'est ça. Eh oui. C'est celle qui dure le plus longtemps. Ben oui, on sait bien, bien sûr. Voilà. Et souvent, c'est celle qui gagne, les Belges. Ça les change. C'est ça. Delphine. Oh. Delphine, c'est noté. Rachel. Moi, j'hésite entre deux, en fait. Dites-moi. Alors, David est très jaloux, déjà. C'est-à-dire que même danser avec un de ses potes, je ne peux pas. Ah bon ? Ah ouais, il est hyper, hyper jaloux. Bah, si c'est un de ses copains ? Ouais, non. Ah d'accord. Et avec l'un de ses ennemis, alors ? Il lui dit même clairement, non, non. Ah, pas touche. Ouais. Mais il y a... Je pense que c'est plus les enfants. Vous en avez combien ? Deux. Quel âge ? Un qui va avoir 18 ans et l'autre 12 ans. D'accord. Fabienne ? Son côté désorienté en voiture. Le c'est-à-dire ? Ben, le GPS, avec ou sans GPS de toute façon. Il se perd. Il se perd, il n'a aucun sens de l'orientation. Ah mince ! Et à chaque fois, ben, ce n'est pas des prises de tête, mais je suis sur sa peau. Parce que même pour venir jusqu'ici, je lui dis, mais regarde ton GPS. C'est vous qui faites le GPS, ah en fait. Ouais, tourne à gauche, à droite. J'ai le GPS dans la tête. D'accord. Moi, je prends une route, c'est bon, après je l'ai mémorisé. Lui, c'est insupportable. Bon, heureusement vous êtes là, sinon il serait retrouvé chez Motus. Voilà. Thierry est mon camarade, il me l'aurait renvoyé ici, quoi qu'il arrive.
Deuxième question, Rachel, imaginez, alors qu'il souffre de douleurs musculaires, votre homme se rend chez le médecin et à son retour, il vous dit « Le médecin est formel, c'est une tendinite du sportif ». Votre réaction, Rachel, vous n'êtes pas étonnée, j'en étais sûr, tu fais beaucoup trop de sport. Ou alors vous doutez, ouais, tu fais pas le marathon de Paris tous les matins quand même. Ou alors vous éclatez de rire, une tendinite du sportif, t'es sûr qu'il a fait médecine, ton médecin? Je dirais la troisième. Ouais, il n'est pas sportif? Si, il y est, mais occasionnellement en fait. D'accord, ouais, donc de là avoir une tendinite, il y a de la marge. Ouais. Très bien, vous éclatez de rire. Fabienne? Eh bien, moi, je dirais également, en éclatant de rire, t'es sûr pour la tendinite. Parce que, à part la pétanque, enfin, c'est quand même un sport de haut niveau. La pétanque, je peux vous dire qu'ils se battent pour être sport olympique, hein, la pétanque. Mais surtout, il a un petit truc, là, avec un aimant pour ramasser les... Ah, il se baisse pas pour ramasser les boules. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je dis, c'est à haut niveau. Ah, il a le petit aimant avec la ficelle. Oui. Il est très outillé. D'accord. Ça s'appelle s'économiser. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, j'y crois pas trop. Bon, alors, donc, morte de rire pour vous aussi. Voilà. Et Delphine? La deuxième, c'était... La deuxième, c'est vous douter. Ouais, tu fais pas le marathon de Paris tous les matins, quand même. Oui, je doute. Vous doutez? Oui. C'est noté. Oui. Troisième question, Fabienne, on va parler des câlins. Oui. Pour le câlin, vous diriez que vous êtes partante, Fabienne, à toute heure du jour et de la nuit, souvent avec parfois un peu de répit, ou tout le temps, enfin, sauf les jours en i. Alors, je dirais avec un peu de répit. Avec un peu de répit. Un peu de répit, oui. Très bien. Je ne suis pas tout le temps là non plus. Oui. Donc, vous êtes où alors dans ces cas-là? Je suis aussi au travail. Ah, ben vous êtes au travail. Voilà. Évidemment. Oui, donc ça ne peut pas être non-stop. Mais ça ne peut pas être non-stop, évidemment. Delphine? Moi aussi, un peu de répit. Un peu de répit. Rachel? Pareil, un peu de répit. Un peu de répit. Eh bien, on leur a laissé un peu de répit à vos chéris. Maintenant, c'est le temps pour eux de revenir. Bon, Fabienne, résumé des épisodes précédents. On résume. Au début, Daniel sort avec votre sœur. Oui. Voilà, hop, vous shippez Daniel. Mais entre-temps, c'est quoi cette histoire où il est venu et vous n'étiez pas là et il ne vous a plus parlé pendant 6 mois? C'est quoi ce truc? Bah, c'est-à-dire que je l'avais contacté parce que je voulais sortir en boîte à l'époque. Oui. Et je l'ai contacté pour demander s'il pouvait venir me chercher, étant donné que je n'avais pas mon permis. Bien sûr. Sans problème, il m'a dit oui, je viens. Seulement, moi, à l'époque, j'avais oublié que j'avais le baptême de ma nièce. Et mes parents n'ont pas voulu me lâcher le soir. J'ai dit, bah, si, j'ai quelqu'un qui vient me chercher. Et mes parents n'ont jamais voulu me laisser partir. D'accord. Donc lui, il est venu et puis il a trouvé porte close. Donc évidemment, je n'ai pas osé le recontacter dans l'immédiat. Oui. Et une fois que j'ai eu mon permis, j'ai pris ma voiture, je suis sortie en Belgique et je suis retombée sur Daniel. D'accord. Ah, voilà. Et là, du coup, mais alors, à ce moment-là, il n'était déjà plus avec votre sœur? Non, il était avec ma sœur. Oh, il a dû se dire, Daniel, voilà, les deux frangines, là. Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ah bah oui. Il faut être fou. Oui, c'est ça. Enfin, hey, la preuve que ça marche. Ouais, tout à fait. 40 ans de vie commune. Vous avez bien fait d'attendre. À propos de quoi, vous chamaillez-vous très souvent tous les deux, Daniel? Souvent. Mais bien souvent, c'est quand on est en voiture. J'ai le GPS et je ne suis pas les indications. Oui. Je regarde simplement les petites flèches, mais je ne regarde pas la grande flèche à la route. Celle qui est en surbrillance, quoi, celle voilà. qui vous indique la route. Voilà. Ah, vous regardez les dessins, puis vous dites, tiens, je vais aller là, ça a l'air tout sympa. À fait. D'accord, exactement. Okay. D'accord, d'accord. Donc en fait, le vrai GPS de la voiture, c'est Fabienne. Ah, ça a toujours été. Ouais, bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Bonne réponse, bien sûr. David, motif de chamaillerie avec Rachel. Moi, je dirais bien la télé. Pourquoi? Parce que je suis le roi de la télécommande, c'est moi le chef. Enfin, je zappe tout le temps. Tu as intérêt à être chef d'un truc? La télécommande? Il n'y a que ça. Wow. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez? Oui. Vous avez intérêt à mettre les amours le matin? Ouais. Elle ne vous a pas parlé de la télécommande, Rachel? Ah. Du tout. Elle est partie sur l'éducation des enfants. De vos deux fils. En même temps, à choisir entre les enfants et la télé, hein, franchement. Vous auriez dit les enfants de la télé. Oui, c'est la télé, je regarde même pas. On salue Laurent Ruquier. Tous les dimanches soirs. Sur France 2, les enfants de la télé. Bon, et alors vous, Jérôme? Moi, c'est les sorties. Quand je vais au mini-foot, que je rentre
Après, on va boire un verre avec des copains. Vous allez au mini-foot? Au mini-foot, oui. C'est quoi le mini-foot? Au futsal. Ah oui, d'accord, ok, oui. C'est genre 6 contre 6. Ouais, voilà. Donc, oui, après, on va boire un verre avec les amis. Oui. Et souvent, je rentre assez tard. Oui. Donc, je vais me coucher donc, assez tard. Et là, mes ronflements, toute la nuit, je la réveille. Et le lendemain, les madames n'est pas content. Et dites voilà, donc, vous êtes en train de nous vendre un poème, là, j'ai l'impression. Hein. On est sur une comédie romantique. Voilà. Mais ça arrive souvent ou pas? Quand même, oui. Et puis, alors, Jérôme, il n'en a rien à foutre. Hein. Ouais, ça arrive souvent. Mais alors, c'est quoi le problème? Vous faites des soirées de temps en temps avec Delphine? On fait du sport, hein, donc. Oui, non, mais ça, j'entends bien, mais enfin bon. Et avec Delphine, il y a des soirées de temps en temps? Oui, ouais. Bien sûr. Oui. Quand même. Hein. Ouais. Il reste combien de jours, semaine? Si j'en prends une pour moi. Ouais. Delphine nous a parlé des soirées, en effet. Mais du coup, si votre soirée pouvait éviter de tomber systématiquement les week-ends, parce que bah, forcément... C'est vrai. Enfin, je dis ça, moi, je dis rien. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans les amours. Je ne voudrais pas que vous veniez dans les divorces. Deuxième question. David, imaginez alors que vous souffrez de douleurs musculaires, vous vous rendez chez le médecin et à votre retour, vous dites à votre chérie, le médecin est formel, c'est une tendinite du sportif. Comment va réagir Rachel? Elle n'est pas étonnée. Elle vous dit, ouais, j'en étais sûr, tu fais beaucoup trop de sport. Ou alors elle doute. Ou tu fais pas le marathon de Paris tous les matins quand même? Ou alors elle éclate de rire. Une tendinite du sportif, t'es sûr qu'il est médecin, ton médecin? Oh, je veux dire la une par élimination. La une par élimination? Elle n'est pas étonnée, vous faites trop de sport? Oui. Vous faites quoi comme sport, David? De temps en temps, un petit peu de salon, muscu, vraiment rarement. Ah, d'accord. Oh, ben, bah, là, la réponse, c'est quand même, tu fais beaucoup trop de sport. Hein, donc, Rachel, ben non, elle n'est pas partie là-dessus, elle éclate de rire. C'est quoi la cadence pour aller à la salle, David? On essaye 2 heures semaine, on essaye, c'est très rare. Oh, c'est déjà pas mal, ouais, 2 heures par semaine, c'est bien. Oh, c'est rare. 2 heures par semaine, c'est le trajet du bus pour y aller, quoi. Ouais. Pascal, oui. Est-ce que vraiment vous êtes le mieux placé pour critiquer les gens qui font du sport, même 2 heures? Mais je vous confirme que non. Voilà, il me semblait bien. Jérôme? Elle éclate de rire, je pense. Elle éclate de rire? Ouais. Tandis du sportif, t'es sûr qu'il est médecin? Bah non, écoutez. Le samedi, alors vous faites du foot ou vous faites pas du foot, Jérôme? J'ai déjà eu une fracture de fatigue une fois en allant courir bêtement après X mois d'interruption. Donc je me dis, allez, c'est le printemps, je vais aller courir. Donc oui. Cours. Et puis je suis revenu, fracture de fatigue. 3 semaines après, on partait en République dominicaine. Une fracture de fatigue, c'est-à-dire ouais. C'est quoi une fracture rigolé, de fatigue rigolé, mais c'est un os du pied qui se fissure et c'est pas agréable. Voilà. J'ai arrêté les siestes, moi. La fracture de la fatigue, ouais. Jamais, c'est vite arrivé. Daniel? Moi, je pense qu'elle éclate de rire. Fabienne? Regardez. Je vous confirme. Jérôme, troisième question, on va parler des câlins. Pour les câlins, votre femme dirait qu'elle est partante à toute heure du jour et de la nuit? Ou bien souvent avec parfois un peu de répit, ou alors tout le temps, sauf les jours qui finissent en i. Non, tous les jours qui finissent par i, là. Alors, donc tout le temps, enfin sauf les jours qui finissent en i. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que le dimanche, en gros. Voilà. D'accord. Très bien. Ça, Delphine? Ok. Daniel? Oui. Alors? Tout le temps, la première. À toute heure, à toute du heure. Jour et de la nuit? Oui, tout à fait. Eh bien, Fabienne, il va falloir se mettre au diapason. On n'était pas loin. Oui. Travail. C'est vrai, le travail. David? Moi, je dirais souvent avec un peu de répit. Souvent avec un peu de répit. Ouf. Rachel, eh bien voilà, vous marquez vos premiers points. Ça vous en fait 5. Et 10 pour les rouges et 15 pour les bleus. Avant d'attaquer la deuxième manche. Et pour l'instant, Pascal, vous allez nous parler des prochaines villes où se dérouleront les castings des amours. Et oui, Bruno, on ira à Reims et à Metz, et ce sera le 22 mai. Notez bien, c'est important, le 24 mai, au bord de la Méditerranée, rendez-vous à Toulon, soyez là. Et puis toujours au bord de la Méditerranée, mais à Nice, ce sera le 25 mai. Vous prenez les dates et les villes qui vous conviennent, et vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Jérôme,
On le disait tout à l'heure en guise de démarrage de cette émission, vous vous êtes rencontré très jeune avec Delphine. Vous aviez quoi, 14-15 ans? Ouais, 14-15 ans, ouais. Et alors pourquoi il y a eu un break de 6 ans avant que vous franchissiez le pas? On s'est un peu perdu de vue. Et puis après, à un moment donné, elle cherchait après un garçon que je connaissais. Ouais. Donc elle est revenue me voir pour lui demander son numéro de téléphone. D'accord. Donc moi, j'ai essayé de la voir, mais le numéro, hein, d'accord. Oui. Et donc j'ai réussi à la voir et puis au final elle me dit pourquoi pas, elle a commencé à venir de plus souvent chez moi, on a fait des trucs ensemble et puis on est sortis ensemble. D'accord. Donc l'autre a été Vous avez, pas donné le numéro du coup à l'arrivée. Voilà, il n'y avait même pas besoin de le donner. Voilà, très bien. Et ça fait 14 ans que ça dure. C'est, voilà, bien ça. C'est bien ça. Première question, Jérôme. You are so beautiful. À propos. À quel propos pensez-vous que votre chérie est une perle rare? C'est une pâtissière très... Émérite. Émérite, voilà. Oui. D'accord. Fait très bien la pâtisserie. Votre gâteau avec les amours dessus ou quoi, en pâte à sucre, elle vous le ferait, quoi. Le décor. Ah, d'accord, elle peut faire... Elle fait de la déco sur gâteau. Comment ça s'appelle déjà, Pascal? Vous allez m'aider. Les cakes. Les cakes. Les cupcakes. Les cake design, cake, voilà. Les cake design, oui, voilà, j'avais sur le... J'ai oublié un truc. En un an et demi, c'est la première fois que mon oreillette me sert. Merci Marie-Pascal. Le cake design, voilà. Il aura fallu que ça arrive au moins une fois. Bon, du coup, je la garde. Elle fait, donc elle du fait cake des design. Beaux gâteaux, ouais. D'accord. Ou en belge, des gâteaux dessinés. Exactement. Eh bien, c'est noté, la pâtisserie, cher Jérôme. David, de votre côté, concernant Rachel. Je dirais qu'elle a un don. Qu'est-ce que c'est? Des choses qu'elle va me dire, qui vont se produire. Genre des personnes me disent, tu verras, ils auront une liaison, ils seront ensemble, ça arrive. D'autres, ils vont se séparer. La voiture tombe en panne, des fois, ça arrive. Mais non. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Donc, elle est devin, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais... Elle vous a dit quoi concernant l'émission d'aujourd'hui? Vous avez gagné ou pas? Non, on n'a pas parlé. Ah non, on n'a pas parlé. Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Bon, elle voit un peu l'avenir. Ok, ouais. Ok. Un don. Daniel. Pour moi, mon épouse prend plus soin des personnes de son entourage que les personnes de son entourage prennent soin d'elle. Donc, d'accord, elle est bienveillante pour les autres. D'accord, elle est bienveillante vis-à-vis des autres, voilà, plus que par rapport à elle-même, c'est noté. David, deuxième question. Chaque année, vos meilleurs amis donnent une grande garden party, toujours très réussie. Mais cette fois-ci, au moment d'y aller, votre petit dernier a une gastro. Quelqu'un doit rester avec lui. Comment les choses vont-elles se passer? Vous tirez à pile ou face pour savoir qui restera avec lui? Personne n'y va, pas question de s'amuser si la tribu n'est pas au complet. Ou alors vous êtes faux cul et vous dites non mais vas-y, moi j'irai pas. Non, vas-y. Ah, t'es sûr? Ah bon, alors bon, bah ok, bah j'y vais alors. Non, moi je dirais plutôt personne n'y va. Personne n'y va. On est toujours ensemble, on est solidaires. C'est comme ça la famille. Classe. Moi je dirais ça. Daniel. Moi la même chose, personne n'y va parce qu'on s'entend très bien et on ne voit pas pourquoi on irait s'amuser avec un gamin, un enfant qui est malade. Bravo. Moi j'aime bien l'amusement, donc je crois que la dernière, c'est marrant. De peut lui dire, ouais ça va. Un peu faux cul. On va pas y aller. Mais bon, tu sais bien que j'aimerais quand même bien y aller. D'accord. Et puis, me laissera aller, je pense. C'est fou quand même, parce que on se connaît depuis quoi, Jérôme? Depuis 20 minutes à peine. Voilà, ouais, même pas. Et ben, j'étais sûr que vous alliez répondre ça. C'est fou quand même. Allez, question bonus, Daniel. Oui. Lorsqu'on vous demande la date de votre premier baiser, vous pouvez donner, c'était pas prévu, hein, le jour et l'heure, le mois et l'année ou le siècle où ça s'est passé. Le mois et l'année. Le mois et l'année. Jérôme. Le jour et l'heure. Le jour et l'heure? Ouais. Quel jour, quelle heure? Le 23 août 2004 à 23h10. D'accord. Bon, et David, ouais. Et sans le savoir, c'est exactement la question que exactement. Je vous ai posée tout à l'heure. Donc, renommons la date. Le 24 septembre 2004. D'accord, très bien. Donc, jour et l'heure. 18h15. 18h15. On va voir si elles sont aussi pointues que vous. Vos chères reviennent. Fabienne, à quel propos pense-t-il que vous êtes une perle rare, votre Daniel? Je dirais peut-être que je suis tolérante. Je ne juge pas.
dans notre entourage, il y a des petits conflits, mais j'accepte. Je ne vais pas, comment dirais-je, régler mes comptes, quoi que ce soit. Donc, dans toutes les circonstances, je trouve que je suis très tolérante. D'accord. Alors, Daniel n'est pas complètement parti là-dessus. Non. Daniel, on va plus que... Pardon va... Ah ben, vous savez quoi, on va quand même l'accepter. Ah bon, d'accord. Ah voilà. Alors, écoutez, c'est quoi, c'est la première fois. Ben oui. Alors, vous savez quoi, je m'agenouille devant votre décision, Pascal. Eh ben, on l'accepte. Parce que pour une fois... Ce sont les autres qui vont être bienveillants avec elle, voilà. Mais vous savez quoi, c'est ce qui fait aussi le sel de cette émission, Pascal, et ça prouve bien que vous êtes le juge, arbitre, impartial, quoi qu'il arrive. Bravo. Et donc, vous marquez vos points. Rachel. Alors, je sais pas, j'hésite. Mon honnêteté, peut-être, mais bon. Pareil, il me dit souvent, oh, t'es trop belle. Ouais, la beauté, on va dire. Allez. La beauté, David. Pas ça. Non. C'est quoi? Il paraît que vous êtes un peu voyant. Ouais, c'est vrai. Mais non. Je n'ai pas pensé. Ça, visiblement, quoi, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas vu venir. Mais, mais il paraît que vous avez des fulgurances de temps en temps. Je ressens les choses avant que ça arrive. Alors, pas toujours, parce que j'ai une histoire avec un livreur où visiblement vous n'aviez pas ressenti des masses de l'histoire. Okay, je plane. On peut raconter l'histoire du livreur aux téléspectateurs de France 2 Ben, en fait, j'arrive à mon travail et puis ben, là où je travaille, il y a un secteur atelier et moi je dois monter à l'étage au côté administratif. Et il y avait un chauffeur qui s'était trompé d'entrée, donc je l'avais confondu avec un collègue de travail en fait. D'accord. Ah, je lui ai dit, t'es là. Puis je lui ai tapé la bise comme ça. Et lui, il m'a regardé. Ah, moi, j'étais pas sur cette histoire-là. Moi, j'étais sur la personne à qui vous aviez demandé des nouvelles de sa femme. Ah oui, aussi. Oui. C'est encore une autre. Il y en a, il y en a. Voilà. Et là, et donc, vous lui avez dit, comment ça va, ta femme? Ah oui, bah, il me dit, bah, en fait, elle est décédée. Voilà, voilà, voilà. Comme quoi, et le don de vision marche pas à chaque fois non plus. Mais en tout cas, David et Rachel, vous êtes toujours à 5 points. Ben bah, ah, donc on applaudit les gens qui restent à 5 points, bravo. Delphine. Je pense que je partirai sur le fait de m'occuper de notre fils. Parce que c'est vrai que je m'en occupe beaucoup parce que j'ai un emploi du temps qui me le permet. Mmh. Faites quoi comme métier, Delphine? Je suis institutrice. Ah oui. Et voilà, il me le dit souvent, heureusement que tu es là, etc. Tu t'en occupes beaucoup. Donc, je partirai là-dessus. Ah, Jérôme, il est parti sur une autre de vos qualités. Ça fait votre talent de pâtissière. Il aime bien vos petits gâteaux. Rachel, deuxième question. Chaque année, vos meilleurs amis donnent une grande garden party, toujours très réussie. Mais cette fois-ci, au moment d'y aller, votre petit dernier, il a une gastro. Ça peut arriver. Quelqu'un doit rester avec lui. Comment les choses vont se passer? Personne n'y va. Pas question de s'amuser si la tribu n'est pas au complet. Ou alors vous tirez à pile ou face pour savoir lequel de vous deux va y aller. Ou alors David, il est un peu faux cul, puis il vous dit « Non, vas-y, toi, non, non, moi, j'irai pas. Non. Hein? Ah, tu veux que j'y aille? Bon, alors, bah, si t'insistes, alors j'y vais. » Non, moi, je pense que personne n'y va. Personne n'y va. Ouais. Uni. Uni, ouais. Et c'est une bonne réponse. Delphine. En grand sorteur qui se respecte, je resterai à la maison et lui, il ira. Ah, donc il joue le faux cul en disant... oui, bah, ouais, bon, allez, j'y vais. Ça ne se passerait pas comme ça. Je pense que d'un commun accord, je resterai et lui, il y, je le il y va. Aller. D'accord. Oui. Donc ouais, ça correspond à votre Jules est un peu faux cul. Et alors, Fabienne? Carrément, personne n'y va. Personne n'y va. Personne n'y va. Tout le monde à la maison, voilà. Et puis c'est tout. Et c'est une bonne réponse, ce qui vous place en tête pour l'instant, les Bleus, avec 30 points, suivi des Rouges, 15 points, et des Jaunes avec 10 points. La question bonus arrive juste après ce message de France 2. Rachel, lorsqu'on demande à votre chérie la date de votre premier baiser, il peut donner le mois et l'année, le jour et l'heure ou le siècle où ça s'est passé? Le mois et l'année. On a attaqué l'émission, mais oui. Et alors elle était donnée, cette réponse.
Rachel. Elle était donnée. J'ai attaqué l'émission tout à l'heure en lui faisant la vanne. Il a répondu direct. Ouais, non, mais ouais. Bon, de toute façon, oui, vous n'allez pas être déçus, parce que quoi qu'il arrive, avec 10 points, vous n'auriez pas pu rattraper les meilleurs. Non. Mais quand même, on vous applaudit quand même, Rachel et David. Le jour est l'heure. Le jour est l'heure. Eh bien, il nous l'a donné, oui, tout à fait. Fabienne, ça va se jouer avec vous. Oh, je dirais le siècle. Le siècle. Ah, le mois. Ah oui. Alors, quel mois, quelle année? Septembre. Octobre de... Ah bah, ça part mal. Elle me dit 78. Septembre, vous dites octobre. 78, ouais, c'était oui. Fin octobre, fin septembre, début oui, donc octobre. Le siècle, c'était voilà. Pas mal. Hein, en fait, voilà. Elle avait peut-être raison. Bon, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à égalité, les bleus et les rouges. Dans ces cas-là, nous vous avons demandé, avant le démarrage de cette émission, de faire une prévision de votre score à ce moment précis de la partie. Daniel, Jérôme, je vais vous demander de tirer en même temps votre carton pour me montrer votre score. 35 est prédit par les bleus, 25 est prédit par les rouges. Vous êtes, amis belges, les amours du jour. Ouais. Fabienne, Daniel, Rachel, David, merci d'être venus sur notre plateau pour partir avec ces cadeaux. Spartoo.com vous offre 240€ pour vous habiller des pieds à la tête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. L'honneur de la Belgique repose sur vos épaules. Jérôme, il est droit comme un. On a l'impression qu'il est en train de... On m'a dit de me mettre collé... Mais c'est bien. Vous êtes parfait, Jérôme. Delphine, Jérôme, c'est votre finale pour gagner une semaine de vacances sur un bateau. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Delphine, Jérôme connaît-il Top, le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Oui. Midi. La race de chien que vous détestez le plus? Non. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Le chat. Stop. L'amoxicilline. Mince. Et sinon, c'était le chihuahua pour l'animal. Delphine, Jérôme connaît-il Top, la personne qui vous influence le plus? Oui. Sa maman. La couleur de vêtements qui vous va le mieux? Non. Le fruit que vous détestez le plus? Non. Votre chanteuse préférée? Oui. Katy Perry. Le genre de bijoux que vous détestez le plus? Non. L'année où vous avez voté pour la première fois? Oui. Passez si vous ne savez pas, Jérôme. Passez. La couleur de votre brosse à dents? Oui. Verte. La matière que vous préfériez à l'école? Non. Votre réalisateur de film préféré? Non. Votre tour de poitrine? Oui. 95F. Votre instrument de musique préféré? Oui. Piano. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Le samedi. C'était le dimanche. Le dimanche? De toute façon, avec 4 bonnes réponses, ce n'était pas suffisant, mais vous repartez quand même avec ce cadeau. Regardez. Et oui, Delphine et Jérôme, passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Bravo. Vous avez passé un bon moment? Oui. Eh bien, nous aussi. Grâce à vous, on va se retrouver très vite pour les amours. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv.